Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Motus, votre jeu de mots quotidien sur France 2. Ce matin, nous allons jouer avec Valérie et Stéphane pour commencer. Valérie et Stéphane qui viennent tous les deux de Saint-Étienne et qui seront opposés à Vanessa et à Véronique. Vanessa et Véronique, elles, viennent de l'Aveyron. Bonne chance à nos quatre candidats et pour présenter cette émission, merci de faire un triomphe à Monsieur Thierry Beccaro. Merci beaucoup, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Nous allons jouer et faire connaissance avec quatre nouveaux et nouvelles candidates aujourd'hui, à commencer par un couple. Un couple dont je voudrais vous raconter l'histoire. Ils se sont rencontrés... De Valérie et de Stéphane. Valérie, ça fait des années qu'elle veut venir jouer ici, sur ce plateau à Motus. C'est un peu ça, hein, Valérie. Racontez-moi la suite. C'est plutôt marrant. J'ai déjà joué. Vous avez déjà joué ? J'ai déjà joué, c'est Stéphane qui n'a jamais joué. Donc Stéphane, vous me dites si je me trompe, mais Stéphane entendait parler de Motus, de Thierry Beccaro, Motus, et pour lui il s'est dit, il faut que je vienne, il faut que j'en ai le cœur net. Voilà, je vais accompagner ma femme et je vais jouer moi aussi. C'est bien ça Stéphane ? Tout à fait ça. Voilà, et ça va mieux maintenant ? Ça va mieux. Hein, vous êtes bien ? Un petit peu... Oui, on va rester 2-3 jours. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Stéphane ? Donc moi, je suis ingénieur en usinage sur Saint-Étienne. Et vous, Valérie ? Actuellement, je ne travaille pas, mais dans quelques jours, je débute une formation professionnelle de cuisinier. Ah, ça, c'est formidable. Ouais. Stéphane, je pense que vous vous régalez déjà. Oui, c'est bon pour la ligne. Et que ça va être encore meilleur par la suite. En tout cas, je suis ravi de vous accueillir. Merci. Et ravi de vous présenter Véronique et Vanessa. Bonjour, Véronique. Bonjour, Thierry. Alors, Véronique, si j'ai bien écouté ce que vous me disiez, vous avez un élevage, c'est ça, de brebis ? De brebis laitières. Dans l'Aveyron. Dans l'Aveyron, à quel endroit ? Alors, j'habite dans un tout petit village qui s'appelle Rodel, à 15 km au nord de Rodez. D'accord. Et les brebis, elles sont dans les Causses, hein, c'est ça ? Sur le Causses, oui. Sur le Causses. 80 hectares ? À peu près, 80 hectares, oui. Bon, et 200 ça fait, brebis. Ça fait combien de têtes ? 200 brebis laitières et les petites qui suivent derrière, une cinquantaine pour les remplacer. Oui. Et puis de temps en temps... Je préfère qu'on n'en parle pas parce que ça me fait de la peine. Oh bah oui, mais c'est comme ça, il faut bien manger. Je sais bien. Il faut bien le cuisinier travaille, ou la cuisinière. On parle des agneaux là, évidemment. Voilà. C'est bon. Bon, ça, sinon ça va, ça marche bien. C'est sec cette année. Ah, donc moins de pâturage. Et voilà. Donc dans ces cas-là, plus de fourrage. On fera avec. Bon. On fait toujours avec. Je sais que c'est un peu difficile en ce moment, hein, l'agriculture, là, c'est... Ouais. Il faut serrer les poings. Allez, il y a plus malheureux que nous. Merci Véronique. Et vous Vanessa, d'où venez-vous ? De l'Aveyron, pareil, mais de Decazeville, à 40 km de Rodez. Vous travaillez ? Je suis à la recherche d'un emploi en tant que secrétaire médicale. Merci d'être avec nous en tout cas. Merci pour à commencer vous. La partie, voici les grilles. Comme tous les jours, avec un numéro magique qui va apparaître. Véronique, Vanessa, qui peut vous sauver de quelques situations périlleuses. La fameuse boule noire, par exemple, le 43 pour vous. Valérie, Stéphane, vous aussi vous allez découvrir un univers qui vous échappait jusqu'à présent. La grille, les boules noires, le numéro magique, ça fait sourire Valérie. 45 pour vous. 6. 46 Thierry. Ah, j'étais pas loin. Pas loin. Ah, avouez quand même qu'il s'en faut très très peu. Le montant de la tirelire, Tom. Il est aujourd'hui de 1000 euros, Thierry, une tirelire qui se remplit doucement. Ah, il ne manquerait plus qu'elle se vide, parce qu'à partir de 1000, 5000, c'est la base. Vanessa, oui. Nous jouons avec des mots de 8 lettres. 8 lettres, comme l'autre jour, me semble-t-il. Tout à fait, mon cher Thierry. Vanessa, c'est parti, bonne chance. Première lettre, le P. Pouffant, P-O-U-2-F-A-N-T. Praliné, P-R-A-L-I-N-E-E. P-
Profonde. P-R-O-F-O-N-D-E. Privation. P-R-I-V-A-T-I-O-N. C'est trop long, Véronique. À tout à l'heure. Valérie, voici la lettre bonus. Le Préface. P-R-E-F-A-C-E-S. Préfacer. P-R-E-F-A-C-E-R. Allez-y, Stéphane. 46, c'est votre numéro magique. Bienvenue, Stéphane. Bienvenue parmi nous. À tout à l'heure, Valérie. Vanessa, nous jouons avec la lettre N. Niçoise. N-I-C-O-I-S-E-S. Nicotine. N-I-C-O-T-I-N-E. Véronique, allez-y. Le 11. Vanessa. Elle est partout, hein. Elle est partout. Ouais. Une boule noire de chaque côté et Valérie qui reprend la main et qui joue avec la lettre H. Humaine. H-U-M-A-I-N-E-S. Hommage. H-O-2-M-A-G-E-S. Housset. H-O-U-S-S-A-I-E. Horloge. H-O-R-L-O-G-E-S. Hormonal. H-O-R-M-O-N-A-L. On va quand même vous accorder un petit carton jaune, hein, Stéphane. Vous mélangez, s'il vous plaît. Le 46 clignote toujours. Le 10. Le numéro 10. Non, c'est pas le numéro magique. Oui. Au cas où. C'était bien joué, on a failli se laisser prendre. Valérie, elle lui explique un peu comment faire. Tiens, mets ça là. Le 36. C'est le 46 hein, pour vous, le numéro magique, hein, je précise. 100 à 50, et c'est Stéphane qui joue. Avec la lettre A. Argenté. A-R-G-E-N-T-E-R. Anglaise, A-N-G-L-A-I-S-E. Vous lui avez tout expliqué, 8 secondes, Valérie. Non, elle ne l'avait pas dit, ça. Si, si, je lui ai dit. Il est un peu lent. Il va y avoir des règlements de compte à la maison. Je n'y suis pour rien, hein, Stéphane. Je ne voudrais pas que ça se termine mal, cette histoire. Vanessa, la lettre bonus, c'est le U. Anguille, A-N-G-U-I-2-L-E. Anguille, anguille, anguille. Un Mexicain basané. Anguille, 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 anguille. Des pailles et sol. Ça, c'est des moments de fatigue. Je suis désolé, ça doit amuser deux personnes. Si on fait un pourcentage, là, enfin, un sondage en ce moment-là, c'est pas brillant. Donc, vous me pardonnez, Véronique ? Oui. Parce que je vous ai vu, ça vous a fait sourire. Oui, ben oui, mais je ne suis pas la seule. Ouais, ouais, mais parfois, vous savez, c'est difficile. Oui, mais c'est agréable. Ouais, bah si on peut en faire rire quelques-uns. Ah oui. Hein, ça fait du bien. Tout à fait. Allez, Véronique, allez-y. 35. Vanessa. Bon, c'est pas dramatique, hein. 100 à 100 pour l'instant. Vous êtes à égalité. Valérie, c'est à vous de jouer.
Solution. S-O-L-U-T-I-O-N. Serpent. S-E-R-P-E-N-T-S. Soulever. S-O-U-L-E-V-E-R. Allez-y, Valérie. Soixante-six. Stéphane. 60. Stéphanie, il commence à se lasser des mélanges. Il gratouille au-dessus un peu, mais maintenant c'est... Il est là comme ça. Tiens, allez hop. Enfin, la technique de la pelleteuse, Stéphane. Il faut bien prendre en dessous et... Vous le faites bien, vous, Tom. Il faudra qu'un jour vous y passiez. Ouais. Parce que c'est des beaux. Il y a du mouvement, il y a assez ample. Ah, au mélange, j'ai compris, à la pelleteuse. Je me suis dit quoi, je vais passer à la pelleteuse, je ne comprenais pas. Non, vous allez passer au mélange. Ouais, je ne me permettrai pas, enfin, pas encore. Stéphane, c'est à vous de jouer. Et vous jouez avec la lettre R. Raquette. R-A-Q-U-E-2-T-E. Ça réconcilie. Ouais, grâce hein, de... Ça, c'est formidable. Je les pousse quand il veut. Stéphane, le 46 vous attend. Allez-y, mélangez. Ah, c'est mieux déjà. C'est mieux, là. 16. Je commence à venir. Valérie. 46. Ah. Celui-là, c'est le numéro magique. Ça sera pour plus tard, j'espère en tout cas, Valérie. Un autre mot de 8 lettres. Le voici, enfin, en tout cas, voici le B déjà. Boulet, B-O-U-L-A-I-E-S. Balbutier, B-A-L-B-U-T-I-E. Biberon, B-I-B-E-R-O-N-S. Bouloche, B-O-U-L-O-C-H-E. Bisbille, B-I-S-B-I-2-L-E. Je l'avais trouvé. Je l'ai trouvé à la première ligne. Merci pour ceux qui rient. Merci bien, c'est agréable. Première ligne, j'ai dit ça, c'est bisbille. Ah, bravo Valérie. Vous ne l'avez pas trouvé tout de suite. Hein. Non, j'ai un peu au hasard. Non, je vous taquine. Non, j'ai trouvé comme tout le monde à partir d'un certain moment. Voilà. Tout ça, c'est très vague. À partir d'un certain moment. Valérie. 70. Le 22, le 70. Le 20. Stéphane. 40. Ça va bientôt, vous allez bientôt prendre le bon numéro, j'en suis sûr. 250 à 100. Stéphane. 1000. M-I-T-O-Y-E-N-S. Maturité, M-A-T-U-R-I-T-E. Ministre, M-I-N-I-S-T-R-E. Matinale, M-A-T-I-N-A-L-E. Motivé, M-O-T-I-V-E-E-S. Motivant, M-O-T-I-V-A-N-T. Pas mal, hein? 300 points à présent pour Valérie et Stéphane. Allez-y, Valérie. 6. Oh,
Oh, c'est pas vrai. Stéphane, on compte sur vous. Là. Allez, un beau mélange, Stéphane. Le 56. Bravo. Bon, je vous dis bravo, ça fait pas les affaires de Véronique et de Vanessa. 400 à 100. Nous allons changer les grilles et nous jouerons juste après avec vous, Stéphane. Bah, Véronique, vous irez vous promener comme ça. Traire. Avec vos bêtes. Bah oui, je vais les traire, oui. Puis vous leur raconterez un petit peu votre, voilà, votre mésaventure. Pas de choses à dire. Bah oui, bah. Oui, Tom. D'autant que ce sera le dernier mot, Thierry, donc. Stéphane, le dernier mot, il est pour vous. Il commencera par la lettre C. Cornichon, C-O-R-N-I-C-H-O-N. Ah là, là, il s'est dit, là, je mets le paquet. Là. Attention, là, je sors le mot qui va tout changer. Cornichon. Vanessa, la lettre bonus, c'est la lettre H. Couchant, C-O-U-C-H-A-N-T. Chocolat, C-H-O-C-O-L-A-T. Chicorée, C-H-I-C-O-R-E-E. Allez, je vous propose d'applaudir Stéphane, Valérie, Véronique et Vanessa. Alors, c'était très bien, vous n'avez pas été gâté par le tirage de boules noires, ça n'aide pas. Et puis le numéro magique pour Valérie et Stéphane. Nous allons vous récompenser, Vanessa et Véronique. Regardez ça, c'est pour vous. Vanessa et Véronique, avant Quest Software, vous offrent des logiciels pour réviser votre code de la route et éditer vos vidéos, ainsi que 100€ de logiciels à télécharger sur avantquest.com. Et je suis sûr qu'il plante, qu'il plante, qu'il pleuve ou qu'il vente. Vous allez traire vos brebis. Et oui, Tom. La Genesis SodaStream, machine sans pile ni électricité pour réaliser soi-même eau pétillante et soda, vous est offerte par SodaStream. Je sais de quoi vous vouliez parler. Ah oui, oui, ça n'a rien à voir. Moi, je pensais que c'était la station météo. Non, pas du tout. Alors, ça fait rien et on ira traire quand même, qu'il pleut ou qu'il vente, oui. Même sans station météo. Peut-être ça donne le temps aussi, hein, ceci dit, eau pétillante et météo. C'est-à-dire que s'il fait chaud, on a plus tendance à se servir du SodaStream. Voilà, on boira un coup. Vous êtes combien à traire les brebis? À deux, mon mari et moi. Oh, 200 têtes de... Oh, une heure. Une heure? Ça va vite, hein. On a 48 postes. Bravo. J'ai eu l'occasion de le faire pour une émission qui est passée l'année dernière. Je peux vous dire que je vous admire. Hein. Vous êtes allé traire? Oui, en Corse, du côté de Bastelica. Voilà, donc je vais saluer d'ailleurs toutes celles et tous ceux que j'ai rencontrés là-bas. Mais je peux vous assurer que... À la fin, on avait les bras tétanisés. Non, on a des machines, c'est pas tout à la main. Nous, c'était fait à la main, madame. Ah, oui, oui. Fait à la main, vous avez avec Laurent Petit-Guillaume. Merci beaucoup. On va vous ramener les 200 tirés, on va voir si vous le faites en une heure. Bon, il faut que j'aille en super partie, c'est-à-dire que je me transporte. Allez. Alors j'y vais et je vous dis à tout de suite. Pour participer à Motus, contactez-nous au 01 56 22 2000 ou sur le net motus@francetv.fr. Et pour nos prochaines sélections, nous serons le samedi 20 octobre à Paris, le mardi 23 à Bruxelles, le mercredi 24 à Namur et le jeudi 25 octobre à Liège. Alors composez à tout moment de la journée le 01 56 22 2000 ou écrivez-nous motus@francetv.fr. Voilà, un joli couple à la ville comme à la Seine. Valérie et Stéphane qui vont tenter de gagner 1 000 € en trouvant 10 mots de 8 lettres en 4 minutes et 30 secondes. Bonne chance. Merci beaucoup. Dimanche, D-I-M-A-N-C-H-E. Douer, D-O-U-A-I-R-E. Pardon, D-O-U-A-I-R-E-S, Douer. Démineur, D-E-M-I-N-E-U-R. Coupure, C-O-U-P-U-R-E-S. Celtique, C-E-L-T-I-Q-E.
Chocolat, C-H-O-C-O-L-A-T. Catapulte, C-A-T-A-P-U-L-T-E. Campagne, C-A-M-P-A-G-N-E. Baudroie, B-A-U-D-R-O-I-E. Braguette, B-R-A-G-U-E-T-E. C'est trop long. Boulet, B-O-U-L-A-I-E. S. Bretonne, B-R-E-T-O-2-N-E. Je vois pas ce que c'est. Bengali, B-A-N-G-A-L-I-E. Soutane, S-O-U-T-A-N-E-S. Sultane, S-U-L-T-A-2-N-E. Sultane, S-U-L-T-A-N-E-S. Solution, S-O-L-U de... Solution, S-O-L-U-T-I-O-N. C'est pas possible. Alors regardez. Ascenseur. A-S-C-E-N-C-E-U-R. Asticot. A-S-T-I-C-O-T-S. Asservir, A-2-S-E-R-V-I-R. Absolu, A-B-S-O-L-U-E-S. Ancienne, A-N-C-I-E-2-N-E. Fanfare, F-A-N-F-A-R-E-S. Fanfaron, F-A-N-F-A-R-O-N. Bon. Pas terrible. Ah, ça a été compliqué, hein. Ça a été compliqué. Il y a eu beaucoup de mots de 9 lettres. Oui. Et puis le sultanat sur lequel vous perdez un temps infini. Bon, bah là, c'était un petit galop d'entraînement pour vous, Stéphane. C'était de l'entraînement. Il y avait 1000 euros. On va rajouter 1000, ce sera encore mieux. Ça fera 2000 la prochaine fois. Mais enfin, vous êtes obligé de revenir. Ah, vous vouliez venir. Eh bien, vous êtes là comme ça. On va en profiter. Vous pouvez constater voilà, tout ce qui se passe sur ce plateau. C'est plutôt sympa. Hein. Très sympa. La preuve, c'est que vous êtes revenu. Bon, ben, j'espère que vous serez là la prochaine fois. Nous, on se fera un plaisir de vous accueillir et de jouer avec vous. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis... À bientôt. À bientôt.